Bonsoir, nous allons nous coucher. Bienvenue sur la chaîne de Sly Guy. Bonsoir, nous allons les niquer. Et mais préparez-nous notre ring ce soir. Le clash de la drague arrive. Ouais. Romano et Cédric. Les deux, ils vont monter sur le ring. Et oui. Le ring va tirer le choc, j'espère. Et les familles vont tenir le choc. Je vais casser en deux. J'espère aussi. Là, je vais te mettre ta fessée, mon pote. Voilà, un cassage en deux, une fessée, le clash arrive. Le clash de la drague de ce soir. T'as une méthode, Cédric? Est-ce que tu as une méthode, Cédric? Bien sûr que j'ai une méthode. Bravo, que tu es fort. C'est quoi? T'en as une, toi? Ouais, mais dis la tienne. Moi, ce sera la méthode de la boisson rafraîchissante. Rafraîchissante. La méthode de la boisson réfléchissante. Non, rafraîchissante. Ouais, bah du coup, tu vois ça, je vais pas faire la même. Est-ce que tu veux faire la méthode de la boisson réfléchissante? Ouais, c'est, un blocage, là. C'est une boisson qui se réfléchit sur quoi? Quand tu la mets dans le monde, sur les réverbères. Non, juste bouger sur un mot. Elle est intelligente. Elle réfléchit sur le réverbère. Réfléchissante. C'est noté là. Non, rafraîchissante. C'est rafraîchissante. Mais c'est quoi ça? Et c'est Karim de Skyrock qui m'a donné la méthode. Ouais. C'est une boisson à base de sperme. Non, même pas. C'est une boisson à base de sperme, mais là, comme il fait chaud, là. Tu sais, la température, elle monte, là, ces jours-ci. Le sperme, c'est chaud, du coup, je voulais offrir une boisson à base de sperme et que, tu sais, une bête de boisson, quoi. Qui l'a mis au frais, tout, tu vois. Je savais que déjà dans ta voiture, t'avais des bouteilles de pisse, et maintenant, tu fais des stocks de sperme, et tu es complètement malade, Cédric. Bientôt, tu vas faire des stocks de merde, si tu continues. Allez bien, Cédric. Non, pas les stocks de merde. Eh ben, putain. Et Romano, quelle est ta méthode pétée, vas-y. À dégoûter de jouer contre ça, quoi. Mais non, ça va être bien. Bah écoute, tu vas jouer. Non, mais je vais la garder. Non, mais j'en ai une. T'as pas de méthode. Si, j'en ai une. Si, l'année, il m'a dit. Si, j'en ai une. Ah, mais ça, je te dis alors. Pourquoi tu peux pas la dire tout de suite? Parce que je sens qu'il va changer au dernier moment, il va prendre la mienne. Alors, je donne une règle supplémentaire au clash. J'aime bien, j'ajoute des règles sur les clashs. On ne peut pas changer de méthode. On change pas de méthode, je reste sur la mienne. Tu restes sur ta méthode, Cédric. Quelle est ta méthode, Romano? Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la marine. Oui. Donc, je vais me faire. Tu vas donc appeler Marine Le Pen et essayer de la draguer. Exactement. Et j'espère bien arriver à la niquer quand même. Ah, bah, elle est tellement bonne. Inch'Allah. Ah, vraiment, je te le souhaite, Romano. Oui, non, mais c'est ça. Après, je t'appellerai le Zophie. Ah, bâtard. Je vais me faire, bon, évidemment, tâter les pompons, c'est la tradition. Je vais leur proposer un petit tour en bateau. On appelle dans un coin où il y a de l'eau, parce que si on appelle dans un endroit, il y a pas une rivière. Enfin, dans la Somme, il y a forcément une rivière. Il y a bien un bout de lac ou un truc ou un étang pourri ou un caniveau. Ouais, ou sinon un caniveau. Voilà, bah, c'est parfait ça. Donc ta méthode, c'est la méthode du marin. Ouais, c'est ça. Il y aura le commandant Baby. Ah, le commandant Baby va sans doute faire son retour. C'est pas vrai. Mais si, il n'a pas coulé. Le commandant Baby sera de retour. Donc Romano, le commandant Baby, la méthode de drague. Et de l'autre côté, c'est Cédric. C'est la boisson qui réfléchit. La boisson réfléchissante. Très bien. Petite question de nombreux auditeurs, Cédric. Est-ce que ta boisson réfléchissante est sexy? Ah non. Ah ouais, Maïbrou, il demande. Salut Maïbrou, est-ce que s'agit de la boisson réfléchissante sexy? Non. Non, elle est pas. Oh, bah, je suis déçu, moi, tiens. Ah ouais, là, tu viens de perdre des voix, tu vois. Le clash arrive. Allez, préparez-vous. Bon, on y va pour le clash. C'est parti, à tout de suite, Gigi. Le clash de la drague. On y va. Let's go. Attention. La drague est tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Eh bien, je dis top clash de la drague en direct sur Skyrock. Vous allez voir serré. On a pris des numéros au hasard. Le premier, il est pour Cédric. Cédric est ta boisson réfléchissante. Et vous êtes filmé, les beaux mâles. Ah, c'est cool. On va chez qui, tu m'as dit, Samy? Fred. Et si vous êtes sur YouPorn, là, chez YouPorn, branchez-vous sur le Snap de Sky. On est plus sur... excitant. On est sur quoi, sur Snap? Insta et Facebook. Allô, Fred. Wow. Oui. Ouais, bonsoir, Fred. Comment ça va, ma poule? C'est qui? Je me présente, je m'appelle Michel. Je t'appelle parce que là, j'ai inventé une nouvelle boisson là pour l'été. Là, t'as vu qu'il fait chaud là ces prochains jours là. Allô? Ah bah alors. Oh putain, mais c'est quoi ce délire? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Rappelle-le. Tu prends un rappel? Tu prends un rappel, ça commence. Dès le premier tour, tu. Non, vas-y, laisse tomber. Rappel ou pas rappel? Non. Trop tard, ça sonne. Oh, vas-y, je prends. Allez. C'est offert par Romano. Non, c'est offert. Ah si, il a dit tu prends. Romano n'offre rien. Ah, moi j'ai dit non, il a dit oui. Mais tu connais un peu l'émission. Ah, ça m'a surpris d'ailleurs. Allô, Fred? Voilà. Oh putain, il y a un bon rappel. Bravo. Je voulais pas le prendre. Bravo, ça compte pas, je voulais pas le prendre. Mais ta gueule, toi. Pas d'insulte. Ouais, c'est sûr, attends. Non, mais si tu sais pas. Tu me dis que t'es qu'une merde, et c'est pas une insulte, ça. C'est le temple de l'amour, je vous le rappelle. T'étais un gros naze. Appelle Jean-Patrick. Toi, un gros. Jean-Patrick. Allô, Jean-Patrick. Allô, Jean-Patrick. Oui. Oui, bonsoir, comment tu vas? Ça va, qui c'est? C'est le marin, là, c'est Jean-Louis. Jean-Louis, ouais, je reviens là d'une tournée en mer là. Et ce soir, je vais venir voir ta femme. Parce que c'est la journée mondiale des marins là aujourd'hui là. Comment il s'appelle lui? Jean-Patrick. 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 T'es bourré ou quoi? C'est possible. Jean-Patrick, je vais venir faire l'amour à ta femme, elle va me toucher les pompons.
Marin, pompon. Oula. Ouais. Bon, okay. Lui, il était pas dans son état. Il était complètement ivrognier. Et c'est pas le premier, tout à l'heure, dans le double appel, ils étaient aussi complètement bourrés. Mais ouais. Eh ben, c'est parce que c'est chaud. La chaleur. Hein. Les gens boivent, il fait chaud. Cédric, justement, en parlant de boire, tu arrives avec ça. Je comprendrai avec ma boisson fraîche. Je prends pas de rappel, moi. Tu prends pas de rappel ? Non, j'ai pas demandé, mais non. On va chez qui, là ? C'était me dire, dans l'état, il était trop bourré. Dans l'état où il était, il aurait peut-être pas pu répondre. Philippe. Allez, Philippe. Allô, Philippe. Allô ? Oui, bonsoir, c'est Philippe. Oui. Oui, bonsoir. Je vous appelais parce que j'avais un petit truc là pour vous, un petit cadeau là. Je viens d'inventer une petite boisson là pour les jours à venir là, une boisson qui rafraîchit à base de sperme et je voulais la tester avec ta femme. Allô ? C'est quoi cette connerie ? Bah, c'est une nouvelle boisson, c'est un truc tu mets au frigo et après tu le bois dès que t'as soif quoi. Ouais. C'est à base de sperme et c'est un sperme que je produis moi-même. Ah. Et pour ça, j'aurais besoin de ta femme pour en fournir un petit peu. Non, mais tu vas pas bien toi ? Bah, quoi, j'ai envie qu'elle me suce, c'est rien de méchant. C'est vraiment pour la boisson, hein. Et t'es qui, toi ? Je me présente, Michel. Beau gosse, 1m78, ouais. Je vais pas très loin de chez toi. Si tu D'accord. veux, je peux être là dans 5 minutes, ma poule. Ouais, vas-y, viens. Ah ben, génial, dis à ta femme de préparer sa petite bouche. Hmm. Et puis, ben, j'arrive dans 5 minutes. Ben, je vais te défoncer la gueule. Oh, le cul, plus. D'accord. Ah. Si tu veux, le cul, y a pas de problème. Ouais, ouais. Ok. On appelle masqué, surtout. Je suis là dans 5 minutes, comme ça, tu me verras en face à face. D'accord. D'accord ? Prépare-toi mon chéri et dis à ta femme de se préparer aussi. Pauvre homme. J'arrive dans 5 minutes, la belle, je l'entends derrière. Elle est excitée. Ah bah. A tout de suite. A tout de suite, Fifi. Et vous savez pourquoi on appelle un appel masqué ? Et voilà. Parce que les gens, ils ont peur. Sinon. Ils ont peur. T'as bien expédié la fin de l'appel. Ouais, c'est allé vite à la Mais fin. Mais bien joué, man. Bah, merci, Karim. Bien joué, Bogos. Merci c'est du rage. Soutien, il faut le dire. Bien joué. Non, merci, c'est merci, c'est merci. Pas de problème. Alors donc. Monsieur l'arbitre, quand même, un petit compliment ? Moi, j'arbitre. Bah, un compliment t'as quand même. T'as invité à te faire défoncer la gueule, hein. C'est pas le clash du cassasse de gueule. Quand tu fais un serrage, tu. Ta gueule, toi. Quand tu fais un serrage, non, mais j'ai dit ça, mais t'es dans l'agressivité, voilà. Le mec. Non, parce que tu l'avais pas dit juste avant, c'est pour ça. Tiens, tu veux que je te lise quelques messages ? Ouais, vas-y. Alors, bravo Cédric, bien t'as serré. Message de Blue. Merci Blue, la famille, tranquille. Tranquille. Juste en dessous, j'ai. Ouais, Cédric, tu te contentes de peu. C'est Étienne. Bah, d'une invitation quand même. Allez, Romano, montre-lui un vrai clasheur. Passez-moi une vraie bonne famille. Quoi. Je vais aller me faire sucer, attends. Si moi, je suis sur mon bateau, je suis avec le commandant Baby. Le commandant Baby est là. Il est là. Ça faisait longtemps qu'il était pas venu. Ah bah, il est de retour. Ouais, c'est vrai. Allô ? Alain ? Oui. Oui, bonsoir, c'est Alain ? Oui. Oui, bonsoir, comment tu vas ? Ça va, et toi ? Bah, ça va bien, ça va bien. C'est la journée mondiale des marins, là, aujourd'hui, là. T'es au courant ? Ouais, bah moi je suis marin, je te le dis, moi, je suis le commandant Baby. Et la tradition, c'est que les femmes touchent les pompons. T'as une femme, toi ? Oui, et toi ? Bah non, moi j'en ai pas, là. Une femme dans chaque port, moi, j'ai, tu sais. Ouais. Un homme dans chaque femme, bien sûr. Non, oui, un port dans chaque femme. Bah le port, il va rentrer dans ta femme ce soir, là. Ouais, d'accord, alors tu vas te faire enculer, connard. Bah je vais venir dans 5 minutes. Je vais venir dans 5 minutes. Allô ? Eh bien oui Cédric, tu vois, tu me fais plaisir, ouais, Cédric. Oui. Non mais tu sais qu'il me fait plaisir parce que il est tellement heureux que tu aies gagné qu'il a fait. Il est gagné. Ah, attention, il est gagné quoi ? Bah, il s'est enculé. C'est un clash par la suite. Non, t'as gagné. Non, mais t'as gagné face à face contre toi. Je prends un rappel maintenant. Il prend son rappel. Et tu es prié de rire moins fort. Je quand toi tu parles sur mes appels, on parle. Non mais je parle de loin, très loin. Sérieux toi ? Tu sais, j'évite de me foutre le micro dans la gueule. Tu fais comme moi pendant le double appel, tu t'éloignes un peu du micro comme ça les gens ils t'entendent pas. Mais quand vous parlez vous. Allô ? Ta gueule. Allô ? Chut. Ouais. Ouais, bon bah moi je suis là dans 5 minutes, hein, chérie. Hein. Ouais, tu vas pas me casser les couilles, t'as vu l'heure qu'il est ? Ouais, bah j'arrive dans 5 minutes, toi tu vas te coucher, je me tape ta femme et puis on en parle oui, plus. Ouais, va te faire enculer, je t'ai dit. Bah je te dis que je vais venir, moi. Voilà. T'aurais pu lui dire, tu vas pas me casser les couilles, mais je vais te casser le cul. Non, mais bon, de toute façon, il va se coucher, lui, je vais baiser sa femme. C'est bien, vous êtes à un serrage chacun. Bravo. Bravo Cédric, bravo Romano. Bravo à moi-même. Est-ce qu'on met un troisième tour en jeu ? Comme tu veux. Cédric, pour l'été partagé. Ah, je suis toujours opérationnel. OP, il est OP, on y va. Romano, est-ce que t'es OP ? La famille. Moi, c'est comme Cédric veut. Eh ben, vous êtes OP. Si c'est sans difficulté, il en prend un. Ah, je suis pas en difficulté, moi. On en prend pas alors. Non, mais peut-être pour vous départager un serrage partout. C'est comme vous voulez. Vous voulez un troisième tour ? Dites-nous, tiens. Troisième tour. Oui, please. Allez, c'est parti. Troisième tour. On va chez qui ? Allez. Allez, troisième tour d'Ifoul. Pas de problème. Mécano, il nous dit un troisième tour. Allez, un troisième tour. C'est tellement bon. Arrêtez-vous pas là. Continuez. On continue. Message de commandant Baby. Ah, il est là. Il envoie des messages, le commandant Baby. Eh ben, il est là, bien sûr. Putain, allez, José, décroche. Il a pas envie. Je sens que José, je vais lui faire un petit câlin. Ah. Il est déjà excité derrière son téléphone. Tu le sens ? Ouais, ouais. Et pourquoi il décroche pas ? Parce qu'il est trop excité. Il est trop excité et il a peur de craquer. Oui. Allô ? Oui. Ouais, bonsoir ma poule, comment ça va ? C'est qui ? C'est Yann au téléphone ? Oui. Yes, comment vas-tu ? C'est qui ?
Je me présente, je m'appelle Michel. Je t'appelais parce que je viens d'inventer une nouvelle boisson à base de sperme. Ouais, c'est... bah je peux te la dans le cul, merci. Bah je voulais te la ramener à la maison. Voilà. Allô ? Allô ? Oh merde. Ah putain, bon. Il veut me foutre ma boisson dans le cul. Eh bah ouais. C'est chaud quand même ça. Eh bah oui, c'est, c'est chaud. Et comme elle sort de ta bite, va falloir être souple. Ah putain, fais chier. Puis je rappelle que t'as quand même le trou du cul qui est au bas du dos. Putain, je le rappellerai bien. Pour que la bite y arrive. C'est trop tard, trop tard. Bah pourquoi trop tard ? Parce qu'on est parti sur un autre appel là. Ah ouais. C'est incroyable ça. Moi, je demande jamais mon avis. Bah non. T'as vu, c'est dingue, hein. Jamais on te le demande. Ouais, ouais. Allez, Thierry. Pour Romano, ce sera le dernier coup de fil et après vous votez. Vas-y, le commandant Baby, te dit Fred, Romano. Bah, le commandant Baby, il est prêt, là. Tiens, j'ai mon frère, il est marin. Dédicace à tous les marins. Big up à tous les marins de France. Et big up de la part. Big up, baby. Du commandant Baby. Allô ? Allô ? Oui ? Ouais, c'est qui, là ? Thierry. Thierry ? Ouais, c'est Thierry ? Oui ? Oui, bonjour. Commandant Baby à l'appareil, je suis marin. Oui. Oui, et aujourd'hui, c'est la journée mondiale des marins, là. Oui, moi aussi. Bah, t'es marin ? Ouais, je suis marin, j'ai un gros pompon, ouais. Ah, bah, je vais venir te le toucher, alors. Tout à fait. Ouais, je vais te toucher les pompons et puis te sucer la bite, après. Oh. Moi aussi. Voilà, bah, nickel. Et puis après, on se tapera ta femme à deux en sandwich. Alors, à quatre pompons, dis donc. Pas de souci. Bon, bah, je suis là dans 5 minutes, ma poule. Bah, tout de suite. J'arrive avec mon bateau, là. Je le garde devant chez toi, parfait. À tout de suite. Bisous. Bisous, bisous. Eh ben voilà. Et ça, c'est un serrage. Et bim, je te la mets dans le huc. Et vous savez que pour un lundi, c'est pas mal, hein. J'ai remarqué, c'est, bon, hein. C'est pas forcément le lundi que les familles sont les plus chaudes. Ah, ça va. La gueule en biais. C'était bien, vous étiez bien. C'était bien, attends. Il a la gueule en biais. Non, du tout, moi. Et bah, tu vois, Cédric. J'ai géré ma famille, moi, tranquille. Il est mal, le bad. On a trouvé quelque chose qui réfléchissait, toi, c'est ta boisson réfléchissante. Ouais, c'est bien un peu. Et bien, la technique de la boisson réfléchissante t'a permis de serrer ce soir. Eh ouais, j'ai serré Philippe, tranquille. Il m'attend, donc je vais aller. Je vais vous quitter d'ailleurs, je vais aller le voir. T'es encore en ligne là, ouais. D'ailleurs. Pour ça, voter Cédric, la famille, ce soir, on mérite de le baiser. Ce soir, je sais pas, j'ai envie de lui faire mal au cul. Donc tu as serré Philippe. Et toi, Romano, tu en as serré combien ? Bah moi, j'en ai serré deux. Il y a la famille juste avant là. Oui. Qu'on vient d'avoir. L'homme me propose de lui sucer la bite. C'est avec grand plaisir. C'est gentil. Ah hein. Oh, bah écoute, très sympa. Je vais lui tâter ses pompons. Il va me tâter les miens. Et après, on se tape sa femme. Et sur le coup de fil d'avant, bah je suis invité tranquillement. Le mec va se coucher. Je me tape sa femme. Eh bien, pour tout ça, mes amours. Oui. Votez Romano. Je veux rester président du clash de la drague. Votez Romano. R O M A. Et nous. Et nous. C'est comme ça que ça s'écrit, oui. Eh ouais, Marie, elle est contente. Ouais. Donc, top vote, c'est parti, il est 22h43. Allez, votez Romano. Vous avez jusqu'à 22h48, ça veut dire qu'avant 23 ans, on vous donnera les résultats du clash. On continue, on enchaîne les victoires. Bim, ça... bam, boum. Ah non. Non, tu veux pas. Ah bah non, votez Cédric, la famille. Ah non, je veux pas gagner. Mais si, il veut gagner. Votez Romano. Non, non, t'as pas compris. Oh, elle est vraiment trop fort, le dernier coup de fil. Respect. Malade, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, je te respecte. T'es un peu schizo, toi. Voilà, t'es trop fort, Romano. Ouais, c'est ça. Allez, votez Cédric, la famille. Non. Théo de Pau, c'est pour qui vote? Romano. Le président Romano. Ça arrive. Merci, Théo. Romano. Il faut voter Romano pour Ricard. Je vote pour Cédric pour Boom. Romano. Elle a 27 ans. Merci, Boom. Jacra. Jakatek qui vote pour Cédric également. Cédric pour Gigi. Votez Cédric, hein. Le meilleur, c'est-à-dire Romano. Bon, les messages arrivent, vous voyez. Cédric. On calcule Merci. Tout ça et on vous donne les résultats. Vous avez encore 4 minutes pour voter et les résultats avant 11h. C'est pour vous. C'est sur Skyrock, bien sûr. Merci. Votez Romano. On y va. Beau clash. Vous m'avez fait plaisir ce soir. Putain, comment j'ai. C'est beau, hein. Ah, c'est beau, le dernier coup de fil que j'ai fait, franchement. Moi, je suis obligé de voter pour Cédric, je vais donner la méthode, gros. Merci. Ah, je suis obligé, je vais donner la méthode, gros. Bon, bah, est-ce qu'on se lèvera dans tes bras? Merci de soutien. Ah merde. Ce serait mignon, tous les deux. Dans ton cul, au choix. C'est toi qui décides. Clash de la drague sur la chaîne Aslaïga. Les résultats du clash, les voici, les voilà, vous les attendez. Oui. Vous avez clashé. Alors. Ouh, que c'est serré ce soir. Ah là, on n'est pas dans du 80-20, on n'est pas dans du 75-25, on n'est même pas dans du 72-73-37. Ouais, 27, c'était, 27, 27. C'était mes scores de la semaine dernière. Bah, on s'en fout, vas-y, c'est le passé. Combien là ? On est dans du 59. Ouais. 41. Ouais, logique. Bien vu, Cédric. 59-41, mais qui a gagné le match de ce soir ? Qui va être le vainqueur ? Allez, annonce. Attends. Mais franchement, t'y crois ? Oui. Pourquoi pas? Toi, Romano, t'as l'air sûr de toi, c'est parce que t'as serré deux fois avec Cédric une seule. Là, mais ça pète trop, tu sais, c'est trop le genre de mec, tu vois, il se la raconte. Eh bien, peut-être que ça va lui revenir au visage aujourd'hui. Ou pas? Bah non. Eh ben voilà. Peut-être pour mercredi. Eh ben, 55-41. Merci. Histoire de Romano. Putain, c'est bien. Chier. Ah, tu remontes, hein? Ouais, je remonte, mais j'aimerais bien passer la fin de
ça remonte sec. Ah bah hein. Merci à toute la team Romano. Oui, ça serait mieux, ouais. J'étais encore bien baisé, quoi. 59, 40. Oh, moins bien que la semaine dernière, mais j'étais quand même baisé. C'est pas une vraie baise, hein. J'aime bien quand ça démarre comme ça, la team Cédric, la team Romano. Je vous donne rendez-vous mercredi pour vos deux clasheurs. Mais t'en as gagné un au mois de mai ? Non. On va vérifier, tiens. Si, je crois un. Si, si. Il y a trois semaines. Deux semaines. Non, il y a ouais, deux semaines ou c'était un lundi. Dans la spéciale. Non, un lundi, t'as gagné. Un lundi, t'as gagné ouais, en direct. C'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai. Eh ben voilà. Eh ben, ah oui, c'est vrai, t'as gagné. Bah, hein. C'est bien, t'as ton quota du mois. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais à part moi, c'est déjà bien pour toi. Ouais, bah oui, c'est clair. Tu sais, en moyenne, tu fais deux. Hein. Oui, c'est bien. Bon, tu es relégué en Ligue 2 du Clash. Qui c'est qui dit ça? Calagan. Non, vous avez non, mais de toute façon, je vais le mettre en retraite avant la fin de la saison. Tu vas rien faire du tout. Le clash de la drague sur Skyrock, c'est un peu comme la Champions League. Pa, 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 mais à chaque fois. Ah, bah ouais. Bon, allez, Tony.